Gérard Fromanger. Alors qu'il est encore étudiant, Gérard Fromanger est remarqué par César qui lui prête son atelier et suit son travail. Je ne suis pas le père de vos bandes ou de son fils. Allons. Mais pour elle. Très jeune, dès les années 1960, Gérard Fromanger s'impose comme une des personnalités de la scène artistique à Paris en participant à l'aventure de la figuration narrative. En mai 1968, il cofonde l'atelier des Beaux-Arts pour produire des milliers d'affiches, ce qui lui permet par la suite de tourner des films tracts avec Jean-Luc Godard. Gérard Fromanger utilise l'appareil photographique pour créer des images sans point de vue délibéré, sans cadrage privilégié, images prélevées comme une pellicule sur le mouvement anonyme de ce qui se passe. Ses œuvres ont fait l'objet de nombreuses expositions en France et dans le monde, comme le Centre Pompidou à Paris, le Musée national d'histoire et d'art du Grand-Duché de Luxembourg, le Musée national à Séoul, le Musée national de la Havane, ou encore Genève, ou encore Rio. En 2012, Gérard Fromanger a inauguré le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau dans une importante rétrospective. Ainsi, une centaine d'œuvres sont entrées dans les collections publiques, musées et fondations. Thank you.